de vous retrouver pour l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, il y a Monsieur Boubou à côté de moi. Parce qu'il attend que ça, il me suit à la trace. Que je reviens de course, donc il me suit. Oui. Ah. C'est quoi ça? Tu fais bisous, maman? Mais là, tu vas pas manger le plastique quand même. C'est pas comestible, hein? Ah là là. Ce sacré chameau. Doucement. Doucement. Eh bien. Bon, bon, toi, on a envie de goûter, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Doucement. 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 Attention. Voilà. Ouais. Et pourtant, hein, il mange, hein, le cochon. Ouais, non, mais il sait que c'est pas longtemps dans l'année, alors il en profite. Doucement. Fais-moi bisous. Oh oui. Bon, petit boubou. Ah, c'est. Il mérite. Oh, bah oui, hein, c'est bon, hein. Donc maintenant, on va passer au calendrier de nos cibés, voir ce qui s'y cache. T'es intéressé par le maquillage, mon chéchien, hein? Enfin, je sais pas, peut-être que ça va pas être du maquillage aujourd'hui. Hein? Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, c'est demain. Tu peux descendre maintenant. Demain, il y a deux cases à ouvrir demain. Moi, j'en ai pas de calendrier, t'as vu, je me plains pas. Hein? Donc, alors, on va ouvrir la case numéro 23. Et oui, après, demain, ce sera la dernière case. Et oui. Mais j'aime bien le système de la boîte parce que ça va se. Ça, je vais la garder, ça, c'est sûr. Je vais l'utiliser pour les bijoux, le maquillage. Ah, oh, bah, c'est un beau truc. Mais. Ah, voilà. Oh, bah alors. Tu vois pas tout. Ah, voilà. Donc, c'est une ombre à paupières liquide. Alors, moi qui en voulais, liquide, ben là. Cette année, je suis garnie. Je suis contente même. Alors, j'aurais eu toutes les couleurs. Hein. Bronze. Ah, je sais pas si c'est vraiment du. Ça, c'est clair pour un fard à paupières. C'est pas la pigmentation, c'est pas top top. Hein. On peut allumer un peu parce que là, on n'y voit rien du tout. Ouais, enfin, ouais. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, ça attend, bouge pas. Ouais, c'est pas formidable. On dirait que tu t'es filé un pet à la main. Ouais, mais je sais pas, on dirait que c'est couleur pêche, bronze pêche, mais bronze clair alors. Hein. Donc, voilà, mais bon. Après, c'est avoir une fois. Ah, c'est du champagne, voilà. C'est couleur champagne. Marqué. Ah là là. Donc voilà pour nos cibés. Belle surprise, beau cadeau. Ah ça, ça m'intéresse. Bon alors maintenant, on va prendre celui de Révolution. C'est pareil. Demain, j'aurai deux boîtes à ouvrir. Donc c'est la case numéro 23. Alors, 23. Qu'est-ce que c'est? Ça peut pas être une palette, hein. Papa. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du lip gloss encore. On va voir ça. Oh oui. Eh oui. C'est du gloss transparent. Oui, donc c'est pas la peine d'en faire. Bon. Ah! Mais je crois que c'est du gloss. Mais avec des grains pour gommer les lèvres. Alors ça va être... Ben, comme j'en ai déjà un que j'ai eu. Donc celui-là, je le donnerai à ma fille. Par contre, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Parce que j'avais eu, moi, c'était... j'avais essayé celui de Kiko.
Mais après, je l'ai donné à ma fille parce que je le faisais trop souvent. Puis les grains, ils restaient aussi. Alors, c'était pas agréable. Donc, je l'avais donné à ma fille. Après, j'avais eu un. C'était de la marque Essence, qui était très très bien. Et c'est pareil, je le faisais assez souvent. Donc, après, ça m'avait abîmé un peu les lèvres. Donc, celui-là, je vais le donner à ma fille. Elle sera contente. Elle, je sais qu'elle s'en sert beaucoup. Donc voilà, maintenant on va ouvrir celui de Action. Ça va être un passeau encore. Parce que maintenant j'ai pas eu encore toutes les daubes alors. T. Bingo. Bingo. Eh ben, ils auraient pu se le garder, mais bon. C'est quoi ça? Ouais, si ça va me servir pour estomper. Ça, c'est surtout pour appliquer. Le fard pailleté. Donc ça oui, mais bon, je m'en serais bien passé quand même. Hein. Là cette année, j'aurais eu que la plupart, c'est des accessoires qui ne servent à rien. Donc c'est clair. Enfin, c'est pas grave. Sinon moi, ma fille, elle a eu un gel douche Yves Rocher litchi givré. Et elle a eu des stickers dans le son calendrier de Harry Potter. Enfin, elle m'a dit je mettrai sur mon armoire. Donc après je la laisse faire son petit truc. Donc voilà, là elle est partie travailler parce que ben, elle commence à 11h30. Et après elle travaille ce soir. Et demain elle travaille jusqu'à 15h. Et après, c'est après le restaurant, ben, il est fermé. Donc demain soir et lundi. Donc après, elle reprend mardi la journée et mercredi, je crois qu'elle est repos. Donc voilà. Et pour le jour de l'an, donc pour le réveillon du jour de l'an, elle travaille. Et pour le premier de l'an, mais le midi, elle travaille. Et alors, le soir, je crois qu'elle m'a dit qu'elle travaillait pas. Donc voilà. Ouais, de toute façon, bon, je préfère qu'elle ait aller son Noël, qu'elle soit avec nous. Après, le jour de l'an, mais bon, c'est vrai que quand elle avait l'habitude de faire le jour de l'an avec sa copine, avec sa meilleure amie, et là, ben, cette année, elle pourra pas. Après, c'est ça que de toute façon, quand on travaille dans la restauration, la plupart du temps, c'est ça, quoi. Et puis bon, ben, après, comme ils sont pas assez nombreux déjà comme serveurs, ma fille, c'est la seule ancienne qui reste, parce que ben, la plupart sont partis. Donc, voilà. Et puis il y a une nouvelle, ils ont embauché une nouvelle depuis hier. Donc c'est pareil, il faut qu'elle la forme et tout. Donc voilà. Mais c'est un petit contrat, c'est 25 heures. Donc après la semaine, ben, c'est ma fille qui fait l'ouverture. Donc alors, on va dire qu'elle en a un peu marre de faire l'ouverture le matin. Bon après, comme j'ai dit, hein, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Donc voilà. Donc voilà les petites découvertes du calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour la dernière case des calendriers de l'Avent. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye!